Salut les amis, c'est Delta et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre let's play sur GTA V. Oui, je me trompe, je dis Assassin's Creed, j'ai l'habitude de dire Assassin's Creed. Donc on se retrouve avec Michael. On va d'ailleurs commencer directement par une mission, donc des épisodes assez longs, on aura le temps. Oula. Elle a de la patate cette voiture, 20-25 minutes en moyenne. Donc c'est là-haut. On va essayer d'être un peu plus précis pour pas que. Voilà, comme ça va être un peu mieux. Donc, dans le premier épisode, on avait fait le premier braquage où on s'était retrouvé avec Franklin, on avait piqué une voiture et je crois que ça s'était arrêté là. Dans le deuxième épisode, on avait piqué une moto avec Franklin et Lamar. Ensuite, on avait piqué la voiture du fils de Michael. Et du coup, les deux personnages s'étaient rencontrés et le concessionnaire auto, qui était aussi le patron de Franklin, s'est expliqué avec Michael qui a obligé Franklin à défoncer sa vitrine de magasin. Donc petite tension entre Franklin et le concessionnaire auto à ce moment-là. Donc là on va se retrouver pour l'épisode 3. Donc dans les prochains épisodes, je sais pas, peut-être que je pense passer ces séquences en voiture qui seront parfois assez longues. Peut-être pas assez intéressant et pas assez intéressant, pas intéressant tout simplement pour vous. Voilà. Donc j'ai essayé d'améliorer un petit peu le cadrage de la vidéo, comme ça va être un petit peu mieux. Côté qualité, bah c'est toujours la même chose. Donc voilà, on se retrouve à la planque de Michael, assez belle maison quand même. On était passé vite fait dans l'épisode 2. Donc, si vous voulez retrouver les épisodes de GTA V, cette fois-ci, je vais la mettre en public, cette playlist, sur ma chaîne. Donc, vous pouvez aller voir la playlist pour ne rater aucun épisode. D'ailleurs, je vous conseille, si vous voulez un petit peu comprendre le déroulement de l'histoire, il y a le trailer plus les deux premiers épisodes. Donc, ça fait quand même pas mal au final, parce que ça fait 50 minutes que vous ratez de début de partie. Mais bon, c'est pas très difficile à comprendre, vu que je réexplique un petit peu. Mais à partir du prochain épisode, je réexpliquerai pas entièrement, puisque en fait, à chaque épisode, je fais le résumé des deux des derniers épisodes. Et je fais la même chose pour chaque let's play un peu. Donc, la journée passe, on va pouvoir avoir la mission. Ok. Je vous laisse les animations, hein. Je dis rien. Je monte un petit peu. Encore un petit peu parce que on sait jamais. Saw the other day
is a guy dealing with pests. Yes, I never saw myself as just a fucking pest. Well, your day's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? No. I was just lost in an 80s movie kind of stuff. Yeah, I can see you spend a lot of time there. As much as I can. So that's why you didn't buy in with me, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot. And thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You're a good time. You know that. I tell you what. At least all I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. Come follow me. Allez, c'est parti, on va se rendre avec Franklin, qui est arrivé dans la maison. Hey Jim, I'm going for a drink, Dad. Shit, I'm in a boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money. They don't want to buy it, they just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. All right, I'm coming. For my boat! Alrighty then. Change of plans. Ouais. My darling boy is in. De toute façon, vous pouvez lire, je pense, les sous-titres qui sont en dessous, il n'y a pas de problème. C'est pas. Il y a une assez bonne qualité pour pouvoir faire ça. Donc, mission, vous allez voir, assez éprouvante. Hein. Et pas mal d'action. Ça va pour l'instant en début d'histoire, les trajets sont assez courts. Je vous laisse quand même entendre un petit peu, hein. C'est toujours sympa. Petite discussion. But have you come repo it? No, thank you. All right, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Que des textes seraient pas forcément marrants. J'aime pas les motos. Fuck everyone. Oh, there it is. Voilà, donc là ça va commencer la course-poursuite. Donc ils sont assez mal barrés, la puissance de la voiture. C'est pas ce qu'on avait tout à l'heure, mais bon. Et c'est assez étonnant quand même que le bateau il part pas sur la route. Donc, normalement il devrait y avoir un petit peu moins de bruit à côté. Voilà, c'est bon. On a réussi du premier coup, il n'y a pas de problème. Après, on va devoir rester un petit peu en arrière, mais pas trop non plus. Pour pouvoir récupérer les autres, parce qu'ils ne vont pas rester là-dessus. Ils nous tirent dessus. Ah, il est sous la voiture. Ouais, il se débrouille bien, Franklin, pour une petite recrue là. Ah, il a quand même de la patate le camion. Hein. Tirer sur le voleur. On est censé tirer sur le voleur. C'est lequel le voleur? Voilà. C'est bon. Je crois que j'ai tué le bon. Normalement. Et c'est pas maintenant. Normalement, il y a un moment où on va devoir recoller un petit peu le truc. Ouais, c'est bon. Ah, on y était presque. Allez, là je suis à moitié concentré en même temps. Vite. Je suis une chenille. Oh. C'était limite. Normalement, faut aller récupérer Franklin, non? Allez,
moque là un saut. What the fuck, c'est... Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Si vous avez le temps, allez voir, vous tapez The Fox, c'est la vidéo de l'année hein, qui a fait le buzz. Je pense que normalement vous l'avez fait. On ralentit la voiture, je crois. Ok. Je crois qu'on va faire demi-tour, donc autant se préparer maintenant, voilà. Une voiture qui avance plus. Là qui pense qu'à son bateau. Bon, voilà, ça a été vite. Pas besoin de la refaire. Et si on avance comme ça, par contre, là... My fault. Et mon train, alors. Qui a de très bonnes idées, ce fils. Je sais pas si vous lisez en même temps. J'essaye de lire et de conduire. Je connais à peu près l'histoire, de toute façon, je l'ai déjà faite. Je vais vous parler aussi des mystères, j'en avais parlé dans le Delta Force Extrême, mais comme l'espèce sur GTA a l'air d'avoir un petit peu plus. Tout petit peu plus de succès, je pense. Enfin, ça dépend, hein, parce que le nombre de vues n'est pas vraiment impressionnant en ce moment, malheureusement. Pareil à une époque. Je l'avais déjà dit, d'ailleurs, de ça. Voilà, donc là, on va aller modifier la voiture. Je vous en parle juste après. Quand ils ont fini de parler, d'ailleurs, aussi. Allez, on va la tuner. Donc, ce que j'avais dit... Ah oui, les mystères. Donc les mystères, je pourrais pas les assurer lundi parce que quand il y a cours, etc., ça, c'est tout simplement pas possible. J'ai pas le temps de faire ça. D'ailleurs, je vois la batterie de l'appareil photo avec lequel je filme qui est à moitié vide. J'espère qu'elle va faire la fin de l'épisode quand même. Ah là, je prie pour que ça fasse la fin d'épisode parce que sinon, c'est... De toute façon, je vous ferai une ellipse au pire des cas. Ce serait bien que ce tombe pas au milieu d'une animation. Donc réparer la voiture, c'est fait. Je sais pas si on doit la blinder ou pas. Dans ce cas-là, on va mettre d'autres choses. Donc les mystères, je les traiterai de temps en temps. Parce que pour l'instant, je ne peux pas. Il n'y a pas un truc... Je sais plus ce qu'il va faire. Blindage. Non, enfin, non. Pare-choc, non. Il n'y a pas un truc gratuit. Je crois qu'il y avait un truc qu'il nous offrait, justement. Et qui était obligatoire pour... J'ai dû changer la couleur au cas où. La caisse, non. Non. Bizarre. Non. Bizarre. Oh, tant pis, on ne fait que ça. Donc les mystères, je pourrais pas les assurer. Je les ferai de temps en temps en compagnie de Pedro. On va débattre les petits mystères. Je les ferai tout seul, les machins comme ça.
Donc, sinon, les gros mystères, je vais, le mystère principal, je vais essayer de le tourner avec, avec Pedro. On va essayer d'en débattre tout ça. On a déjà débattu un petit peu ensemble. On a eu de bonnes idées. Hein. On a trouvé quelques trucs, mais rien de concret vraiment qui fasse avancer énormément les choses. On avance aussi avec Rockstar Mag qui traite le gros mystère du jeu. Les premières parties étaient vraiment très intéressantes, on a beaucoup appris avec eux. Après, pour ce qui est des dernières parties, bah, c'est plus de la théorie. Donc pour l'instant, ça avance plus vraiment dans les dernières parties. Mais bon, c'est toujours pas mal quoi. Alors, on va finir le trajet. Tout ce qui est petit easter egg et tout ça, je pourrais faire tout seul, il n'y a pas de problème. Je pensais qu'on passait. Ah, j'ai oublié, il y a le pouvoir de Franklin. On espère que la batterie ne va pas nous lâcher. Je devrais tenir en principe. Voilà, l'épisode sera un petit peu plus court que d'habitude. Petite animation. Est-ce qu'on a une petite munition qu'ils vont nous donner? Sans une égratignure? Ouais, bah oui, forcément. On n'a pas fait ce qu'il y avait de mieux. Alors, soit on essaie de contrôler Michael. Les inconnus et détraqués, on fait pas, hein, de toute façon. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de mission. Du côté de Michael, est-ce qu'il y a quelque chose? Je suis inconnu, détraqué et tout ça, je le ferai pas parce que ça n'a rien à voir avec l'histoire. Je vais faire l'histoire principale seulement. Et puis pour que ça avance un peu plus vite, de toute façon, parce que ce display est vraiment très long. Non, il n'y a rien. Cette émission doit être commencée par un personnage spécifique. La mission médicale apparaît. Ok. Donc pour l'instant, on n'a pas très bas. On est un petit peu au stade MCEHLR. On va retourner voir Franklin vite fait, je sais pas. Je sais pas si je vais faire la première inconnue détraquée ou quelque chose comme ça. Je sais que ça va vite, mais bon, il reste beaucoup de temps. On va voir ce qu'ils nous disent. Sinon, on va le faire. Peut-être qu'il faut faire ça avant de. Je savais pas que c'était obligatoire, qu'il y en avait un obligatoire. Ou alors faut attendre un petit moment pour. Voilà, non, c'est par là. Attendez. Ok, ça sert à rien. Ah, peut-être que. On va voir les mails, ouais, ça on s'en fiche. Rien à faire. 1 km. Ça m'embête un petit peu qu'il n'y ait plus de mission à faire quand même. Mais bon, s'ils nous ont changé de personnage pour mettre Franklin, il y a forcément une raison. Là, je fais n'importe quoi parce que je pars en même temps. J'essaie de voir ce qu'il y a à faire. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose qui se modifie sur la map.
Regarde le phono, la batterie et tout. La limite, on le fera dans le prochain épisode. On va juste se rendre là où est l'inconnu et détraqué. L'inconnu détraqué. Et on va s'arrêter là tout simplement parce que ça va commencer à. Ça va faire 20 minutes déjà. Ouais, puis on va s'arrêter là parce que là il n'y a pas vraiment de mission. Plus on est près de la mission de la maison, hein, ça permettra de passer le temps en dormant. Sympa quand même le pouvoir de Franklin, surtout en vidéo. Voilà, on va s'arrêter là. Ah oui, je me rappelle de cette mission. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, bah mettez un like, un commentaire, etc. sur la vidéo. Si vous savez ce qu'il faut faire après, même si je pense que je vais retourner un épisode direct et que je vais sûrement savoir ce qu'il faut faire. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette série et toutes mes prochaines vidéos, parce que je propose pas que du GTA. Donc voilà, c'est tout. On a gagné le dirigeable, donc peut-être on fera un tour à la fin de la série. Voilà, tout simplement. Et puis, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode encore une fois. Vous abonner, partager la vidéo pour que la chaîne avance. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait en ce moment. Et puis, on se dit à plus tout le monde pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde.